Salut tout le monde et donc bienvenue sur une vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes. Et donc on va voir ensemble ce que j'ai fait pour BB-8. Faut savoir que du coup, bon, c'est un peu biaisé, mais faut que je la fasse parce que je l'ai fait pour tous les autres. BB-8 en vrai, même si mes persos sont Relic 5, faut savoir que l'event est ultra simple. En vrai, niveau difficulté, il est moins dur que Throne, ça c'est sûr. Je le mettrais peut-être au niveau de R2-D2 ou de Palpatine. Peut-être pas aussi simple que Yoda, mais ouais, Palpatine ou R2-D2, je pense plus vers R2-D2 au niveau difficulté. Tellement simple en vrai que j'ai juste pris mes persos sans module et je l'ai fait en auto. Maintenant, je pense que sans relique ce sera un peu plus dur, surtout G9. Maintenant, pour la team, je vous ai présenté une team. Il faudra au moins les 7 étoiles G9 avec un petit peu de modules. Je pense pas que forcément qu'il faut les modules parfaits et autres, mais au moins un petit peu et ça devrait passer. Je vous ai présenté des teams, une team qui normalement devrait être assez simple et rapide à farm. Il faut savoir que Kylo Ren, les deux Kylo Ren sont farmables en cantina. D'ailleurs, il y a même le Kylo Ren sans masque qui lui est farmable avec son vaisseau, donc c'est une bonne nouvelle. Lui, il est farmable cantina et normal, mais je conseille cantina dans tous les cas. Kylo Ren normal est farmable en cantina. Phasma est achetable. D'ailleurs, je crois que Kylo Ren masqué est achetable dans la boutique de Guild avec les Get 1. Donc, ce sera assez rapide à farm dans tous les cas pendant que vous faites pli. Captain Phasma, elle, est achetable dans le shop galactique, dans la boutique de guerre galactique. Et ces deux-là sont farmables tous les deux ensemble dans une node régulière, donc d'énergie régulière. Donc voilà, c'est une team assez rapide à faire. Farmez-les un tout petit peu, mettez les gears neufs. Enfin, modélez un tout petit peu, je veux dire. Et puis normalement, ça devrait passer. Je sais que, comme je l'ai dit au début, je sais que l'event est un peu biaisé parce que je les ai Relic 5. Mais voilà, je voulais au moins la faire parce que j'ai fait les autres. Je me dis que au moins ça peut peut-être être utile. Si ça peut aider quelqu'un pour la team, ne serait-ce que pour la team pour faire l'event, je me dis pourquoi pas. Donc voilà, je vous laisse avec les étapes et je vous dis donc bonne vidéo. What's your mind?